J'ai développé ce langage-là parce que je sais que je ne sais pas dessiner. Ne sachant pas dessiner, je devais contourner le problème du dessin. Et j'ai compris que la manière de détourner ce problème du dessin, c'était d'avoir des idées. L'expo idéale, elle peut se faire avec très peu de moyens. Papier, gouache, acrylique, crayon, tout en noir et blanc, pourquoi pas. Tout en couleur, pourquoi pas. Tout est possible. Vous faites comme vous voulez. Ce qu'on veut, c'est que chacun vive sa propre expérience. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre. On le sait déjà, puisque c'est ça qu'on faisait quand on avait 1 an et demi, qu'on faisait ses premiers gribouillages.